S'il ne gagnait pas, il tentait toujours l'échapper pour essayer. Donc c'était un coureur avec un tempérament que le public aime bien. Simpson had spent barely a year in France, but had the confidence to complete the post-race interviews in French. Je fais bien à 40 km. Vous saviez que Sabadini et Serami revenaient sur vous? Non. À 5 km de l'arrivée, j'ai cuit. J'avais mal à ça. J'ai cuit, oui. Voyez-vous, Simpson a d'abord appris l'argot avant d'apprendre tout à fait le français. Mais en tout cas, je dois vous signaler que l'homme que vous voyez devant vous est un très, très grand coureur. Vous entendrez probablement encore parler de lui bien souvent. Conclusion, oui. Je voudrais surtout avoir le classement. Je le connais. In France, 23-year-old Tommy Simpson is a national hero. Yet no one looks more like an Englishman and less like a crack cyclist than the flamboyant Yorkshireman. By the time Tom moved to Paris with his wife Helen, he quickly learned the advantage of playing the media game. He became a willing accomplice at journalists' request to dress up and act the part in a French fantasy of Britishness. Il a joué le Britannique en France. Il a joué ce personnage qui vient de la mine et qui réussit, c'est-à-dire le self-made man. Il a joué ce personnage-là. Je pense qu'il avait compris la force des médias, il avait compris comment utiliser les médias. Il aimait être anglais et il aimait aussi, disons, porter ses vêtements, non pas parce que ça lui plaisait sûrement, mais parce que ça surprenait. I thought it was really funny at the time. And I look back and see these pictures now and see him. And I think he liked to be the center of attention. Le Belge Ismans s'est également détaché du gros peloton. Le Mont Ventoux, nous l'apercevons ici au sommet. Un Mont Ventoux toujours très impressionnant. The center of attention for fans this July day on the Ventoux in 1967 were the superstars of cycling. An elite which included the charismatic Simpson. Il était celui que la foule approchait le plus souvent, mais le plus facilement, parce qu'il savait répondre. Tom avait une arme fantastique, c'était son sourire. Il avait un sourire naturel qui, naturellement, plaisait à tout le monde. Et le même souffle d'air au sommet du Ventoux que celui qui nous rafraîchit quelque peu ici à Carpentras. Car dès le départ de Marseille... It seemed a glamorous life, but for Simpson and others, it was a year-long routine of training, racing and travel. It was eating, sleeping, cycling. It's a very, very punishing regime, and it's a very... it's not what I call a normal life. En dernière position, Tom Simpson, devant lui Jan Janssen, Roger Pingent et Felice Gimondi. Because of the demands of the sport, those climbing the mountain became close. They were also a cosmopolitan group of riders. With Simpson in the leader group were a Spaniard, a Frenchman, a Dutchman and an Italian. He was one of the gang. The continental scene was like one huge family away from Civvy Street, away from the rest of the world. And the family was, be it the French guys, the Belgian guys, the Spaniards, the Italians, the Dutch. It was this, you're in, or you weren't in. And Tom was right in the middle. There is a word in cycling for the gang. It's called the peloton. The peloton in cycling means literally the bunch of riders as they go along the road, but it has a wider meaning, which is the sense, if you like, the fraternity of professional cyclists. It's a close-knit unit that's drawn together by the fact that its members share two things, which are danger and suffering. In the peloton, Tom was loved for his lust for life, loved for his personality, not his nationality. Il jalousait personne. Et il se sentait bien avec eux, donc il ne sentait pas quelqu'un d'étranger
étranger peut-être de par son passeport, mais pas de par ses capacités ni de son métier de coureur. Il était très bien intégré. And the peloton admired this smartly dressed, self-possessed character. He was like them. The working class boy made good. Il aimait l'argent, il aimait gagner sa vie parce qu'il voulait, il voulait arriver à quelque chose. Ça, il calculait, hein. Ça, il aimait gagner de l'argent pour sa famille, pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'être au-dessus, comme ses parents, certainement, qui étaient mineurs. If the peloton respected Tom, then he in turn learned to play by its rules. One of which was an acceptance of drug taking as a professional fact of life. When it came to answering questions about illegal drug taking, Tom abided by the peloton's strict code of denial. Do many people in cycling take dope? I doubt it. I have no proof. I don't look for it either. We race 200 races a year. I don't think we could race 200 races a year for between six and 12 years and still be at the top if we took dope. But it was common knowledge in the peloton that Simpson used the drug amphetamine. I did know that Tom had actually taken amphetamines, you know, and often you say to him, don't, Tom, you know, don't. But I did know that Tom had actually taken amphetamines, you know. He was always telling me that it was advised by high-class medical advisor, a doctor, in other words, you know. And 8 milligrams, I know he mentioned 8 milligrams. I never take more than 8 milligrams, he said. I said, 8 milligrams too much, Tom, you know. Train hard, you know, work hard, you know, sleep better, eat properly, you know. You'd be okay on drugs probably for one day, but the next day, where are you going to be the next day, you know? Simpson was far from alone in resorting to drugs. Oui, bien sûr, il se dopait, mais pas plus que les autres, comme les autres, pour faire un peu comme tout le monde, parce qu'en fait, le dopage, c'est aussi une sorte de ciment social. On se dope pour faire comme les autres. Celui qui ne se dopait pas à cette époque-là, d'ailleurs, était souvent marginalisé par les autres coureurs. Il y avait presque une impossibilité à ne pas se doper si on voulait participer au grand barnum du Tour de France et du cyclisme. Donc, parmi les premiers du classement général, il manque seulement pour l'instant Tom Simpson, 7e. Mais les 6 premiers du classement sont regroupés avec le 8e, Janssen. Still further up the Ventoux, Simpson struggled to keep sight of the leaders of the 13th stage, Raymond Poulidor of France and Julio Jimenez of Spain. But Tom always had the self-belief to deal with adversity and come out a winner. After all, he'd done it before. There was Bordeaux-Paris, 1963, cycling's longest one-day race. Bordeaux-Paris, c'était une course de 650 km qui s'élançait de Bordeaux à 1h du matin et qui s'achevait à Paris dans l'après-midi à 5h. Avec la dernière partie qui se déroulait derrière entraîneur, derrière des petites mobilettes qu'on appelait des derniers. C'était une course d'endurance, de ténacité. Simpson got to Paris in a time of 15 hours, 43 minutes and 47 seconds. A clear 6 minutes ahead of his rival. On peut pas être petit coureur et gagner Bordeaux-Paris. Hein, faut avoir une grande volonté de rouler la nuit, de rouler après, derrière dernier. Faut avoir une bonne adaptation aussi pour rouler derrière dernier. Et c'est là justement qui fait le grand coureur que Tommy s'adaptait partout. C'est un coureur complet. And there was the World Cycling Championship of 1965,
where the victorious rider would have the right to wear the rainbow jersey after winning the Tour de France, the greatest accolade in cycling. Here, Tom showed what made him a great rider. Tommy était combatif et c'était aussi un malin, un coureur malin. Vous savez, il n'y avait pas l'impression, mais il savait déceler la course, il savait aller dans les échappées, il savait suivre les bonnes échappées. He would sense, he would feel that this is the moment it's going to crack. The race is going to blow wide open at this particular point, and Tom was there. Il voyait très bien ce qu'il y avait au loin et il voyait ce qu'il y avait tout près, ce qu'il y avait à côté, encore de l'autre côté, et il enregistrait tout comme un oiseau de proie. Simpson, I can see now down the road, way, way down the road, I can see them coming up. A tremendous effort between the two, they're side by side. Simpson in the blue jersey with the red sleeves for England, and Altig is on his wheel. In the last stages of the race, Tom faced the more favoured German rider, Rudi Altig. Now he allied tactical.